Salut tout le monde! On espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais juste avant de commencer la vidéo, on va faire une petite dédicace. Enfin, des petites. Voilà. Voilà. Par deux, trois, c'est parti. Et petite dédicace à Janelle, à Loan, à Lisa, à Kali et à Maïlis. On vous aime fort. Merci de suivre et gros bisous à vous. Et tout de suite, la suite de la vidéo. Entrez. Oh. Y a quelqu'un? Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous ouvrez pas la porte? Merci, madame, je vous ai dit entrez plusieurs fois. Il m'a ouvert la porte. Mais non, vous pouvez entrer, madame. Mais non. Bon, vous venez vous asseoir. Vous avez besoin d'aide? Bah oui. Allez-y. Et merci, hein, jeune fille. Asseyez-vous. Ici. Où ça? La chaise. Ah. Ouais, là-bas, c'est le dehors. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Je m'assois. Où? Ici. Madame. Oui, je regarde mon fils. Mais votre fils n'est même pas là. C'est le parking pour les médecins ici. Il ressemblait à mon fils. Alors, qu'est-ce qui vous amène par ici? Donc, est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît, votre prénom? Madame Bawidi. Comment c'est écrit? Bawidi. Et votre prénom? Christelle. Non, je rigole. Dites votre vrai prénom. Oui, mais c'est parce que c'est un beau prénom, Christelle. Oui, c'est quoi le vôtre? Et vous? Mais pourquoi vous voulez le mien? Pourquoi vous voulez le mien? Mais pour voir votre dossier. Mais vous aussi, je veux votre prénom. Éléonore. Éléonore. Et vous? Vous rigolez pas si je dis mon prénom. Mais bien sûr que non. Vous êtes sûre? Oui. Prénom c'est Bernadette. Bernadette? Bernadette. Detche. Parce que je suis un peu espagnole. Detche. Ah Mustateta. Oui. Mustateta. De Mustateta. Je vous ai retrouvé. Vous êtes là. Ah, mais vous êtes venu plusieurs fois. Non. Non. Mais vous étiez là ce matin? Non. Écoutez, je sais pas si c'est les prénoms de quelqu'un d'autre ou quoi, mais c'est le même juste. Ok, ok. C'est bon. Alors, quel âge avez-vous? 22 ans. Bon, écoutez, ça commence à plus du tout me faire rire. Vraiment. J'ai pas le droit d'avoir 22 ans? C'est interdit par la loi? D'accord. La loi française, elle est nulle cette loi française. D'accord. Donc, si on vous fait un test ADN, sur le test ADN, il doit être 22 ans. Oui, 22 ans. Et toutes mes dents. Vous avez un fils de 24 ans, comme par hasard. Bon, d'accord, j'ai pas 22 ans, j'ai 31 ans. D'accord, on va dire que vous avez 31 ans, sinon vous allez me faire. Non, je rigole. Mais vous croyez vraiment que j'ai 31 ans, espèce d'imbécile? Écoutez, j'arrive même pas à marcher comme il faut. Et bien, quand je vous dis que vous avez pas 31 ans, vous me faites la dame là. Non, j'ai 92 ans, 92 ans et toutes mes dents. Bon, c'est pas bientôt fini. On a autre chose à faire, hein. Écoutez, madame, regardez-moi dans les yeux. Vous êtes pas n'importe où si vous êtes dans un hôpital.
Donc vous allez respecter les gens qui sont ici. Je vous le dis clairement. Restez assise. J'appelle la sécurité. J'appelle la sécurité, moi je vais appeler ma mère. Hein? Vous vous calmez? Oui, c'est vous allez vous calmer. Ouais, moi je suis très calme. Oui, calmez-vous. Vous êtes pas calme, vous êtes debout. Non, calmez-vous. Oui, je suis calme. Calmez-vous. Je suis calme. Encore plus calme non, que ça. Je suis encore plus calme. Non, plus calme, encore. Pas. Et vous croyez que vous êtes où là? Mais oui, je suis à l'hôpital, hein. Moi j'attends qu'on me soigne, hein. Mais oui, mais vous ne donnez même pas vos vraies informations. Si. Alors, vous vous appelez Bawidi Bernadette. Oui, voilà, exactement. Vous avez 92 ans. C'est ça. Et vous avez un mal de gorge. Plus que ça. Vous avez un très très gros mal de gorge. Et aussi mal de dos. Et aussi mal de dos. Et aussi mal de jambes. Et aussi mal de jambes. Et aussi mal de oreilles. Oui. Et aussi mal de doigts. Mais les... pas, non, les doigts de pied. Oui. Imbécile. Pas les doigts de là. D'accord. Vous me montrez. C'est comme si je disais ma doigt. Oui, du doigt, et vous montrez votre doigt. Et mais on n'a pas que un doigt, espèce d'imbécile. Et vous vous calmez. On n'a pas que un doigt. T'es infirmière, tu dois le savoir. Non mais... ces doigts-là. Enlevez ce pied. Regardez. J'ai mal au gros orteil. Je ne vous prends pas. Hein? J'appelle la sécurité. Bon, d'accord, d'accord. Mes pantoufles, elles sont trop belles. Ça vient de mon arrière-grand-mère qui avait une grand-mère qui avait aussi une arrière-grand-mère qui avait une autre grand-mère qui s'appelait Bernadette aussi. Calmons-nous s'il vous plaît, asseyez-vous. Allez-y. Je m'assois si j'ai envie. Mais allez-y, ça va. Non, pas tout de suite. Je m'assois si j'ai envie de m'asseoir, hein. Allez-y. Non. Non. On va rester comme ça. Non, là j'ai envie de m'asseoir. D'accord. Bon. Ce que j'ai retenu, c'est que vous avez un très gros mal de gorge. Un mal de pied, un mal d'oreille, de doigt de pied, pardon. Oui. Un mal d'oreille et un mal de jambe. Non, pas d'oreille. De oreilles. Oreilles. D'accord. Un mal de oreilles et un mal de jambe, c'est ça? Mal de dos, vous avez oublié. D'accord. Et un mal de dos. Et oui, j'ai tout ça. Tout. Il faudra le dire au médecin. D'accord. Voilà. Vous servez à quoi? Vous servez à rien. D'accord, je servais à rien. Est-ce que vous avez votre carte vitale, s'il vous plaît? Non. Ah si, attendez. Eh non. Donc là, vous avez mal au dos. Oui. Vous êtes comme ça ou... Est-ce que vous êtes moi? Est-ce que moi je suis c'est vous? C'est une question. Est-ce que quelqu'un d'autre est moi? Moi-même, je suis moi-même. Est-ce que cette personne, elle est moi? Est-ce que cette fleur, elle s'appelle Bernadette, elle est moi? Est-ce que ce stylo s'appelle Bernadette et... C'est bon, j'enlève votre masque nul. S'il vous plaît, madame, on est dans un hôpital, il faut garder ce masque. Le Covid, il est mort, là. On peut aller où, là? Je vais vous faire un papier, vu que vous n'avez pas votre carte vitale, d'accord? Mais quoi? Oh, c'est fou ça quand même. Je suis patiente depuis tout à l'heure. Non, c'est moi la patiente. Non, moi je suis patiente. Non, vous êtes l'infirmière, c'est moi la patiente. Mais vous êtes... Mais qu'est-ce qu'elle est imbécile celle-là? Vous êtes infirmière, moi je suis la patiente. Elle croit qu'elle est moi. Mais toi t'es pas moi. C'est pas moi. Écoutez, si je me lève, ça va très mal se finir. Ça va plus vite. Allez, on y va. J'ai mal là. Fermez cette porte. Quoi? Regardez-moi dans les yeux. Vous me regardez? Oui. Si vous allez dans la salle d'attente et que vous faites un charabia comme vous venez de le faire, vous êtes viré de cet hôpital et je vous l'ai dit. Et ben moi, je vais vous virer de cet hôpital aussi. Allez-y, virez-moi. Voilà, on verra qui c'est qui va être viré. Allez-y, virez-moi. Le client est roi. Tenez. Je suis la reine. Tenez. Merci bien. Ça va, vous allez bien, madame? Oui, moi, super. Écoutez, on arrive dans une salle d'attente. Il y a plusieurs personnes, dont vous mettez ce masque.
je ne vous parle plus. Asseyez-vous. Je ne vous parle plus. D'accord. Vous n'êtes plus ma copine. Madame Janasby, c'est vous. Pourquoi? Écoutez, je commence à en apprendre de vous. Je vous le dis. Mais pourquoi c'est pas moi? Parce que vous venez d'arriver et qu'elle attend depuis 2 heures. Et ben moi j'ai des gros problèmes. Elle en a aussi. Non. Si. Faites le madame. N'importe quoi, c'est hôpital. Madame Bawidi, s'il vous plaît. Madame Bawidi, Bernadette, c'est vous, Bawidi? Oui, c'est moi. C'est vous? Allons-y. Non, mais vous êtes qui? Comment ça? Et vous êtes qui? Je vais pas suivre une inconnue. Ah, je suis... Ma mère, elle m'a toujours dit, suis pas des inconnus. Je suis le médecin. Oh, le médecin. Oh là là. Oh, vous savez. Vous savez, on s'est très mal occupé de moi. Ah bon? Oui. Allez, on parle dans le bureau. Dans le bureau. Oui, on s'est mal occupé de moi. J'ai pleuré. C'est Yala? Oui, voilà, c'est elle. Allons-y, madame. Allons-y. Ouais, ici. C'est ici. Bernadette. Oui. Madame, c'est ici. Alors oui, vous avez un problème? Je suis le médecin de garde. Allez-y. Où ça? Là. Oui. En tout cas, ils étaient vraiment pas gentils avec moi. Ah bon? Oui. J'ai pas enlevé le masque. J'ai pas le Covid. Bon, dans tous les cas, vous l'enlevez pas, ça changera rien, alors allez-y. Et ben, il était très méchant avec moi, en tout cas. Alors, dites-moi tout, qu'est-ce qui ne va pas sur vous? Alors, le problème, c'est que la dame là-bas, elle était méchante avec moi, voilà ce qui c'est le problème. Ouais, ok. Donc ça, c'est bon, on a compris. Oui. Hein? Donc maintenant, qu'est-ce qui ne va pas sur vous? Oui, ben, c'est elle. Non. C'est elle. Pourquoi qui ne va vous pas? Êtes venue à l'hôpital? Eh bien, je suis venue parce que j'étais malade et elle, mais elle était méchante avec moi, j'ai vous pas compris. Vous êtes hein. Malade où? Où? Vous avez mal où? J'ai mal où? Oui, mais je vous dis que c'est à cause d'elle. De quoi? Mais que elle m'a énervée. D'accord. Elle m'a fait mal à la tête. Parce qu'avant, j'avais pas mal à la tête. Vous avez mal où? J'avais mal partout. Partout, partout, partout? Non. Aux oreilles. Aux oreilles? Voilà. Aux doigts de pied. Aux doigts de pied. Ah oui, au dos. Au dos. Ok. À la gorge. À la gorge. Ah, c'est vous que j'entendais tousser. Oui, et bien après, à cause d'elle, j'ai mal à la tête en plus. En plus. En plus de ça. En plus. D'accord. Alors, je vais porter plainte. Écoutez, madame, je pense que vous pouvez régler vos comptes avec elle. Non, je vais porter plainte, j'ai mal à la tête à cause d'elle. Et si je vous soigne, est-ce que vous n'allez pas porter plainte? Ben oui, on verra. Mais en tout cas, vous devez la virer de cet hôpital. Parce qu'elle m'a dit que c'est moi qui vais virer. Écoutez, ce n'est pas moi que je vais être virée. Alors que c'est pas moi que je vais être virée. Pourquoi parce que... vous allez virer? Parce qu'elle est malade. C'est elle que vous devez soigner. Vous êtes gentil avec elle? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Comme vous êtes avec moi. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ok. Oui, oui, oui. Oui. Ok. Alors, c'est parti. On va vous soigner, madame Bernadette. Oui. Parce que on veut pas que vous ayez mal. Oui. Ok. C'est parti. Allez-y. Allez vous installer sur le. Regardez brancard. Comment je suis fatiguée. J'ai attendu pendant longtemps. Ah oui, mais c'est comme ça à l'hôpital. Hein. Ben, c'est oui. Pour ça qu'on fasse vite, comme ça les autres ils attendent pas trop longtemps. Oui, ben c'est bon. Hein. Ils vont qu'à attendre. Moi je vais pas me dépêcher pour eux. Hein. C'est bon. Ça va pas ou quoi? Moi, je vais me dépêcher pour des gens que je connais pas. S'il vous plaît, madame Bernadette. Pour des inconnus? Non. On a fait un accord, allez. Donc, madame. Vous n'avez pas une couverture? Non, mais on va pas dormir là. Oh, je peux dormir. Non. Ah, plus tard, s'il vous plaît. Parce que là, le lit, il est excellent. On va le mettre dans un autre. Vous l'avez acheté où? Écoutez. Ikea? J'en sais rien. Conforama? Oui, sûrement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Parce qu'il est vraiment bien. Allez. Non, non, non. Vous restez comme ça, ok? Vous restez les jambes comme ça. Et juste, on lève le dos.
Allez, s'il vous plaît. C'est bien, madame. Donc, vous avez 92 ans, c'est ça? Oui. Comment vous savez? Eh bien, parce qu'il y avait écrit sur le dossier. Pourquoi? Parce que, et alors, j'ai pas donné mon vrai accord. J'ai pas donné mon accord. Pour que moi, je le sache. Oui, bah, tout le monde va le savoir. La honte. La honte. Moi, j'ai dit à tout le monde que j'avais 31 ans. Ah oui, mais ça se voit que vous avez un peu 31 ans aussi. Bah oui, c'est pour ça. Allez, on respire un grand coup. Et on souffle. Écoutez, comment vous soufflez? Comme ça. Vous fumez? Oh, Marie-Joseph, vous êtes dingue. Est-ce que vous fumez? C'est une question. Oh. Est-ce que vous fumez? Oh. Mon Dieu, pardonne-nous, la miséricorde, pardonne-la d'avoir prononcé ce mot digne de Shaitan. Shaitan. C'est une question pour savoir. Allons, respirez. C'est bizarre, j'entends rien. Putain, c'est vraiment j'ai bizarre. Pas mis ça dans mes oreilles. Vous voyez tellement vous me parlez, vous parlez n'importe quoi, j'oublie. Oh, vous n'avez pas mis ça dans vos oreilles? Mais non. Et bien, vous servez à quoi? Oh, et... à moi. Parlez là-dedans. I like it more with more. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, I like it more with more. I like it more with more. I like it more with more. You like it more. C'est trop bien. Oh, oh, oh. Damn. Oui. Ah non, elle va très bien. Non. Elle va pas du tout bien quoi. Bon, allez, c'est parti. Le cœur maintenant, il est où? À droite, à gauche? Des fois, mon cœur il est en bas. Bon, écoutez, je vous jure. Des fois, mon cœur il est aussi dans ma tête. Après, il se promène. Je pense que mon cœur, il aime bien aller dans tout mon corps comme ça. Il aime bien se promener. Je pense qu'il s'ennuie parce que ça fait comme 92 ans qu'il est là. Hein. Il s'ennuie. Moi, je je l'ai écouté maintenant. Non. Vous n'avez pas écouté mon ventre. Quoi? Oh Dieu, la Shaitan. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez osé mettre la main sur ma robe? Mais vous avez votre ventre? Vous êtes folle? Mon ventre, il est là. Il n'est pas là. Eh ben, j'ai pas bien aller sous la robe. Non. Bon, ben, j'écoute pas votre ventre. Allez. Non. Écoutez ma tête alors. Parce que des fois, il est sur ma tête. Vous êtes nul comme médecin. Pas le voile. Oh là là, mais on ne peut rien faire. Mais si, mais ma tête, elle est là, imbécile. Oh. J'entends rien, allez. Non mais oh. Alors, moi là, je vais regarder une petite chose. Bon. Mais qu'est-ce que c'est? On vous l'a déjà fait, arrêtez. Non. Eh ben, il y a une première fois tout dans la vie, non? Mais qu'est-ce que c'est? Allez, vous me tendez votre bras? Vous êtes malade? C'est super! C'est un truc super cool! Ça vous détend et tout! Ah. Super! Hop! Et ça, et c'est parti! Mais ça vous resserre? C'est normal! Si ça ne vous sert pas, c'est pas normal, ça vous fait un problème! Ça me sert trop là! Ah, je vais mourir! C'est trop non, c'est en train de se desserrer, arrêtez. Je vais pas pouvoir prendre votre tension si vous faites comme ça. Et je rigole. Oui, non, mais ce n'est plus drôle. Ça va? Ça me sert. Ça me sert. Vous avez besoin d'une piqûre. Quoi? Parce que sinon, vous allez devoir passer à l'hôpital des semaines. On n'a pas une piqûre. Il y a une personne qui vient de passer avant vous. Vous voyez la petite dame qui est passée?
vraiment pas belle. Oh, les piqûres. Non, pas de piqûres. Pas de piqûres. Si, piqûres. Non, pas de piqûres. Si. Non, pas de piqûres. Oula. Écoutez, je suis la reine de la piqûre, ok? Oula. Ça va bien se passer. Alors, vous aussi, une piqûre. Mais je n'ai pas de soucis, moi. Bah si, vous aussi, une piqûre. Pourquoi moi? Que moi? Regardez pas, il y a des pinces. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de votre bras. Eh bien, allez-y, faites-le. De toute façon, on ne peut pas le faire sur votre bras, donc ça ne sert à rien de faire ça. Ah bon? Allez. Vous allez me faire où? Vous verrez, c'est la surprise du chef. Non, vous allez me faire où? Là? Oui. Là? On me fait où? Hein? J'avais une moustache. Oh mince! Aïe. Oh, je l'ai enlevé. Regardez. Une moustache. C'est ça plutôt. Vous me dégoûtez. Non, ça c'est. C'est mon cheveu ça. Allez, on arrête. Non, non, attendez. C'est le moment. Sur le ventre, s'il vous plaît. Je m'arrange comment? Sur le ventre. Comment? Sur le ventre, c'est pas compliqué! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous baissez votre pantalon s'il vous plaît. Quoi? Pourquoi? Parce que je vais faire la piqûre. Allez, je ne regarde pas sur les fesses. Ah bah oui, bien sûr. Non mais bien sûr. Je ne regarde pas. Ah bah bien sûr, je vais le faire. Je vais même me mettre nue devant vous. Mais je m'en fous. Vous voulez quoi? Vous voulez voir mes seins aussi? Vous voulez que je vous invite? Vous me regardez sous la douche? Espèce de pervers. Genre de pervers parce que je suis une femme. Et non, je suis pas perverse. Non, parce que c'est mon métier. Vous faites sur les vêtements. Allez, vous faites sur les vêtements. C'est quoi? Allez-y. Oui, comme ça c'est fini. Je peux le faire, je peux au moins lever la robe? Non. Aïe. Aïe. J'ai fait mon doigt. Ah. Aïe. Aïe. J'ai mal. Allez, vous partez, c'est bon. J'arrive même plus à faire. Allez, venez vous asseoir là. Et vous revenez dans un mois. Repiqûre. Non. Ça, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Vous êtes bien occupé de moi, même si vous m'avez fait des piqûres. Ouais. Et je vous aime. Ah, moi aussi. Moi, je monte. Hein. Moi aussi. Ouais. Hello. Hello, mes petites filles. Hello, mes petites filles. Hello, mes petites filles. Eh oh, il faut se réveiller là. Mes petites filles, c'est la rentrée. C'est trop bien, c'est la rentrée. Yeah. Et Eva. Voilà. Non. Voilà. Eva. Eva. Diana. On est en retard. Eh oh, on est en retard! Quelle heure, maman? Il va être bientôt 10 heures! Non. Eh oui, on est en retard! Eh oui. Excuse-moi. Quoi? Il est 5h58. Oui, bientôt 10 heures. Allez, je vous ai pas menti. On court à 8 heures. Non mais toi, t'es folle, maman. Non mais oh! Putain, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il était 10h. Vous vous réveillez tout de suite, les enfants. Mais faut qu'on se réveille à 7h, pas à 5h. Faut que vous vous réveillez tout de suite. Allez, vite. Mais mamie, arrête, t'es énervante. Oh, tu cries pas sur mamie. Eh, tu te réveilles. Allez, il y a plein de trucs à faire là-bas. 5 minutes,
Ok, je reviens dans 2 minutes. 10. Hé! Arrête, mamie! Vous tirez pas les rideaux, c'est interdit. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon. Mais c'est quoi ça? Voilà. Voilà, c'est bon, vous êtes réveillés, allez. Bon, Diana. Je vois que tu te réveilles pas. Lève-moi ton téléphone. Allez, lève-toi. Dépêchez-vous. Allez. Allez. Mais on ne souffle pas. Plus vite que ça. Maya, toi aussi tu te réveilles. Maya. Voilà, c'est bon, elle s'est réveillée, elle vient. Oula! Ok. Bien fait. Allez! Vous avancez jusqu'au salon, là. Allez. Ah, maman! Non! Vous mettez devant moi, là. Ah! Vous faites ça, 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 ça. Plus haut et bas. Plus haut, vers moi, vers là. Diana, tu le fais? Mais vous essuyez des vitres là, vous faites quoi? Vous faites plus haut! Levez-vous! Non mais on ne s'assoit pas. Vous vous asseyez, vous vous relevez 5 fois. Non mais pas assis comme ça! Vous accroupissez. Eva, je veux plus d'énergie, hein, plus de patates. Hein, sinon, je te mets une patate. Arrête. Tu es fou. Diana, c'est quoi ça? Tu t'accroupis comme il faut? Ah, oui. Saoulez. Eh ben oui, allez. Non, mais plus. Non. Si. Bon. Plus. Diana, plus. Avec maman, on fait pas ça, en fait. Non mais en fait là c'est la rentrée, il faut avoir de l'énergie. Ben là on va pas avoir de l'énergie parce qu'on dort pas assez. Eh ben oui, ben t'as qu'à te coucher plus tôt. Non mais hein? T'as qu'à me lever plus tard. Je vous prends le téléphone à 19h, à 19h30 au lit. Non mais t'es une On mange à 17h30, ouais. À 19h30 au lit. D'accord. Voilà, ça vous apprendra à pas m'écouter. Okay. Eva, tu te lèves. Et tu veux que ça fasse quoi? Tu te lèves. Pourquoi faire? Tu te lèves. Pourquoi faire? Tu te lèves et je vais te dire. Dis-le. Pourquoi tu fais ça? Dis-le. Tu vas lever les jambes. Non mais... Tu vas lever les jambes. Non mais tu te lèves. Non mais j'ai pas envie de le faire lever. Si, tu vas pas me forcer quand si, même. Il faut que je vois tes capacités. J'en ai pas de... Vous avez pas de capacité. Hein, vous ah avez... oui, bah vas-y fais-le toi. Ah moi tu veux que je le fasse? Allez vas-y fais-moi 10 squats. Tiens. Oula. Et oui. 10 squats. Et oui, allez tu vas refaire la même chose que moi là. Oui, bravo à toi Diana. Tu sais pas faire? En plus ça fait de la gym. Espèce de débile. Oula! Diana, tu vas faire la roue là, là. Diana, tu vas faire la roue, tu vas me montrer ce que t'as appris à la gym. Tu me sautes pas dessus. Diana, tu t'es fait mal, mon chat. Tu peux rester dans le canapé, d'accord? Mais Eva, tu te lèves! Non, mais non, moi aussi, je me suis fait mal. Non, tu t'es pas fait mal, lève-toi. Si, je vais te faire mal, tu vas voir. Bah voilà, comme ça, je vais prendre le cours. Vas-y. Lève-toi. Aïe! Non, j'ai vraiment mal. Ok. En plus, ma mère m'a grippé là.
En plus, Maya m'a griffé la mamie. Marie! Quoi? En plus, Maya m'a griffé. Oula. Allez. Non. Ah, je sais. Voilà. Allez, tu t'avances. Ah, mais j'ai mal à la tête depuis tout à l'heure, mais c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Bah oui, mal de tête. Mais elles sont sur ta tête, mamie. Tu vas me les trouver vite. Non. Tu vas me les trouver, j'ai mal à la oui, tête. J'ai mal aux yeux, regarde. Allez, trouvez-moi les lunettes. Ah, mamie. Ok, ça c'est à Eva. Diana, qu'est-ce que tu veux? Du lait ou du jus de fruits? Du lait. Je vais faire toute seule. Oui. Tiens. Hop, un petit gâteau. Non, 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 non. Eva, tu veux du jus de fruits, du lait, tu veux que tu veux. Du lait. S'il te plaît, mamie. Oh. J'en ai marre. Imbécile, là. Tu me donnes ton verre. Très bien. Moi, je prends une petite madeleine. Une petite madeleine de mamie. Tu peux en goûter. Tu peux voir. Tu peux voir quoi? Ça. Tu peux regarder. Je peux pas mettre dedans. Bah ouais. Hum. Ça peut le mettre, mais on ne veut pas. J'en veux. Vous mangez un peu plus vite parce qu'on est en retard. Puis il n'y a pas d'endroit pour mettre ça. On n'est pas en retard, il est 7h. Dans 1 heure. Si. Le temps qu'on marche jusqu'à là-bas. Non mais mamie, 30 minutes de marche. T'as pas pris ton permis pour rien, hein. Non mais non, on va pas y aller en voiture, hein, vous croyez quoi? On va pas gaspiller de l'essence alors que l'école est juste à côté. Elle est pas à côté. Si, y a que 30, bon 40 minutes de marche, c'est tout, c'est pas grave, ça va vite. Après tu devras faire l'aller-retour, toi. Hein. Oui, moi, je suis sportive. T'appelles pas papy? J'ai fini ton lait. Que t'appelles pas papy sur le retour en disant ouais, viens me chercher. Bah non, je m'appelle pas Eva. Hein. Au moins, papy vient tout le temps me chercher. Toi, jamais. Tu te tais et tu manges. C'est bon, vous avez fini là? Ouais. Plus vite. Bah, Eva, tu prends ton temps, toi. Hein. Tu te crois au restaurant? Ouais. Allez. Sauf que ce restaurant, il est nul parce qu'il y a quelqu'un qui est juste devant moi. Allez, allez, on y va là. Attends. Allez, je range et après on y va. Non mais oh, faut qu'on s'habille. Bah, dépêchez-vous. Allez, me préparer. C'est bien, Diana. Je te laisse ça de côté pour tout à l'heure. Je vais pas finir. Fou, on est en route. Les filles! Les filles! On arrive! Vous mettez un peu trop de temps là, hein? Allez! Allez! Eva, tu vas à l'école ou à un défilé de mode? Et Diana? Quoi? Tu vas en vacances dans le sud? Oui. Côte d'Azur? Bon, que pour la rentrée, hein? Demain tu t'habilleras mieux. Dépêche-toi, t'as les chaussures de ta mère? Je mets ça moi. Ailleurs. Non, tu mets les chaussures de maman. Hein. Ouais, parce qu'elle achète pour moi. C'est pas pour toi. Hein. Pourquoi pas, c'est là? C'est là pour moi. Parce que c'est sa maison. Mais elle va pas les mettre, tu veux qu'elle les mette où? Moi aussi ma maison. Bah oui. Tais-toi. Allez. Allez. Tu poses des lunettes de soleil. Non. Tu prends pour qui? C'est moi qui vais les mettre. Je vais à l'école. Quoi? Non, ma vie. Bon, alors passe les lunettes. Bon, c'est bon. Bon, quand vous irez à l'école,
S'il y a quelqu'un qui vous embête, vous appelez mamie, hein. D'accord. Je vais venir, pas je vais très mettre. Grande, t'inquiète. Tu te tais, tu appelles ta mamie. Non, je ne fais pas. Moi aussi, je suis assez grande. Et là, on va courir parce que là, on est en retard. Allez, on court. Mamie, allez. Mamie, on n'est pas en retard. Si, on est en retard. Non. Courez. Courez. Voilà, l'école, elle est fermée. On est arrivé trop tôt. Tu te tais. Elle va ouvrir. Comment ça se fait qu'il n'y a personne, là? Ben, regarde l'heure. Tu comprendras. Oui, 7h30. Ça ouvre à... Quelle heure? À 8h. Bah ça va, on est à l'heure. On n'est pas en retard, j'ai cru qu'on était en retard. J'ai eu peur. J'ai froid en plus. Tu te tais un peu. Vous êtes fatigué, vous vous asseyez là. Non mais j'y crois pas, votre papy il m'a même pas envoyé un message. S'il est debout. Il est avec une autre femme? Est-ce qu'il est réveillé? Bah oui! Il est bientôt 10h. Il n'est pas bientôt 10h, mamie! Mais si. Bientôt, il est 10h, là, allez! Bon, je vais l'appeler, je pense, hein, il va me saouler, lui. Maman, elle rentre aujourd'hui ou pas? Maman, elle rentre. Non, elle rentre demain. Quoi? Ça me saoule qu'elle rentre aussi tôt, quoi. Ah, bah ouais. Ouais, bah... Elle est tellement bien avec toi, mamie. De quoi? Elle est tellement bien avec toi, mamie. Oh, mais c'est trop gentil, ma petite fille. Moi aussi, je suis bien avec vous. Oh, je vais aller regarder un truc d'arrivée, mamie. Tu vas pas loin? Non. Allô? Tu viens de te réveiller, mais c'est une blague. Il est bientôt 10h. Non, mais n'importe quoi. Tu m'envoies même pas un message. T'as fait le ménage? Non? Eh ben non, t'as rien fait. Mais t'es bête. Mais je vais pas tout faire. Non, mais oh. Il est bientôt 10h. T'es même pas réveillé. T'as pas honte? Espèce de vieux papy, t'as pas honte? Moi, je rentre demain, donc si je, quand je rentre, que je vois la maison au bordel, je te mets dehors. Donc tu vas te réveiller. Oui, les enfants vont bien, elles sont super contentes que je sois là, tu vois. Papy, on veut toi. T'as dit quoi? J'ai dit papy, on te veut pas. Ah. T'as vu, ils ont dit on préfère mamie. Ben oui, toi personne papy, t'aime. Papy, parce que... Mamie, elle est méchante, elle nous force à nous lever. Tu dis pas n'importe quoi. Mais toi, tu dis qu'elle est pas. Ben oui, je les ai forcés à se lever parce qu'ils étaient en retard, il était bientôt 10h. Mais papy, il était 5h. Il était bientôt 10h. Papy, allez. Mamie, elle est méchante. Allez, je te laisse parce que là, j'en ai marre. Allez, salut. Nya, nya. Oh là là, on peut pas compter sur lui, hein. On y va. Allez, les enfants. Et bah, toi, ton école, elle est là-bas. Je te dépêche. Bonjour, madame. Oui, c'est la mamie de... Allez, ma chérie, travaille bien. Eva. Bisous, ma chérie. Salut, les copines de Diana. Aïe. Ah là là. Ouh. Oula, mais il est bientôt 15h. Faut que je me dépêche. Il est 15h bientôt. On peut se dépêcher là en fait. C'est 14h52. Non, attends, en vrai ça fait 20 minutes. 20 minutes que j'attends en fait. Moi mon rendez-vous en fait chez le coiffeur. Mamie! Dépêche-toi, allez, mamie. Mais pourquoi elle marche comme ça? C'est pas possible. Mamie! C'est un truc de ouf. Ouais, marche encore plus doucement, vas-y.
Mais mamie, tu regardes quoi là? Arrête! J'ai mal aux dents! Et pourquoi t'as pas mis des vraies chaussures? C'est facile d'avoir mon âge! Non mais mamie, déjà quand je suis pas en retard, tu vas hyper vite et quand je suis en retard, tu vas pas vite! Ouais, t'as mal au dos, ok. Non mais allez! Allez! Comment tu vas faire pour conduire, hein? C'était comme ça. Aïe, aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Déjà, il faut fermer ce truc là qui me saoule. Comment je m'assois? Ouais, comme d'habitude. Aïe. 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 Mais qu'est-ce que tu fais? Mets ton pied en bas. Aïe. Tu veux pas m'aider? Mais ton pied par en bas. Pourquoi tu le mets par en haut? C'est plus facile pour moi. Aïe. Aïe! Elle est. Ah, ben voilà. Tu te tais? Aïe. Tu veux pas me fermer la porte, toi, au lieu d'être sur son téléphone? La portière de la voiture, tu veux pas me la fermer? Moi, te la fermer. Oui, j'arrive. Mais si tu arrives. Non, j'arrive pas. Mais je peux pas non plus de là, en fait. Bon, je vais me reculer. Et tu vas y aller. Doucement, hein. Mais doucement! On peut jamais compter. Non, c'est bon. Non, c'est bon, on peut jamais compter. Non, sur c'est bon, vous. Tu me saoules. Aïe! 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 Tu m'as fait mal. Je t'ai pas fait mal, t'es une menteuse. Si, tu dis pardon, maman. Pardon, mamie. Voilà. Mais ouais, mais t'as... T'es pas éduqué bien comme il faut, toi, hein? C'est toi qui m'as éduqué. Comment on fait déjà? On attache la ceinture. On attache la ceinture. Allez. T'es pas éduqué, toi. Hein. Non, t'es pas éduqué. Non, si, t'es pas éduqué. Allez, allez. Bon, on va où? Je sais pas. Par où? Il y a un chemin. Et là, il y a le mur. Arrête-toi. Ah, t'arrêtes de me déranger. Tu vas en arrière. Bérangère. On dirait ma copine Bérangère. C'est qui Bérangère? C'est une folle comme toi. Elle fait quoi? Elle fait quoi Bérangère, elle était pas avec Papou. Tu te tais. Bérangère, c'est l'ex de papy, ça. T'as pris le copain. Cette débile. T'as pris le copain. Aïe. Ah. Pourquoi tu montes sur le parc, là? C'est le trottoir, ça! Mais elle ne comprend pas que là, c'est la route exacte. Non. Donc, sur toi, sur la route, on met de faire. Tu vois pas les voitures qui passent, en fait. Oh, ils ont mis un escalier sur la route.
elle est débile. Débile. Je suis en retard et en plus je fais des trucs comme ça. Tu te tais un peu. Tu vas pas être en retard. Ah ouais, d'accord. Allez, on y va. Regardez rétro là. Rétroviseur. Celui-là, il y a quelqu'un ou pas? Non, c'est bon. Là, quelqu'un? Non. Non, après il faut regarder quoi d'autre? Regardez ça, c'est bon. Allez là, on y va. Bien là. Roule à 1 km/h, même pas là. On est bien là. Oula, ça va trop vite là. Non mais c'est bon parce que ça va bien les shorts là. Oula. Ça va faire peur, ça sert à rien. On est en non, mais non, vas-y. Pourquoi elle fait ce bruit la voiture là? Ça me fout. Allez, c'est bon, on est arrivé. Non mais... Allez, descends. Attends. J'avais rendez-vous à 16h. Il est 16h36. Oui. Tu crois qu'elle va me prendre? Tu crois qu'elle va prendre? Bah oui, non, elle bon, va te prendre. Pas. Allez, vas-y. Allez, vas-y, là, vite. Allez. Écran retard. Oui, bah je suis déjà, hein, donc. Bah dépêche-toi, débile. T'as vu ma nouvelle coupe de cheveux? Yeah. Tu l'as vu ma nouvelle coupe de cheveux? Eh ben voilà, elle m'a pas prise. Moi j'ai fait toute la route, elle t'a pas prise. Non, elle m'a pas prise parce que tu prends 40 minutes. Eh ben tu vas voir. Ouais, ben je vais voir, ouais, je vais voir. C'est un truc de ouf, c'est comme toi. Jamais du temps. C'est où? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez. Arrête de faire route comme ça. Non mais vous prenez pas ma petite fille. Non mais... On a fait la route. C'est vous pas. Croyez que l'essence c'est gratuit? L'essence? Non. You are folle, you are crazy. Laisse-moi. Moi. Laisse-moi. Vous croyez que la vie c'est comme ça? Bande d'incapables. Non mais oh, en plus vous faites des coupes moches. Je vais la ramener à votre concurrente. Oui, celle qui fait mieux que vous. Vous vous prenez pour qui? Nous, on est les Français, on paye des impôts, hein? Oui. Mamie, c'est la oui. Honte. C'est bon, hein? C'est la honte. You are honte. Non, c'est bon. Tu te prends pour qui? De pas prendre ma petite fille qui a fait la route? Qui est venue? Allez. On est venu ici. On a payé l'essence, nous. Débile. 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 Oui. Tu vas voir quand je vais porter plainte. C'est bon. C'est quoi que c'est des débiles. Allez, on y va. C'est bon, on n'a pas besoin de leur coupe. Mets ta ceinture, ma chérie. Je vais te ramener un autre coiffeur mieux. Coiffeur mieux que ici. Voilà. Non, laisse-moi. Voilà. Madame, si vous allez à ce coiffeur, c'est pas... Partez. C'est juste ma mamie qui prend 40 minutes à venir quelque part. C'est tout. Me touche pas plus. Tu arrêtes. Allez, pas à ce coiffeur, c'est nul. Nul, nul. Je suis allée, ils m'ont fait les cheveux rouges. J'ai demandé cheveux jaunes, ils ont fait rouges. Voilà. Jaune. Tais-toi. Allez. Non, c'est bon. Eh oh. Moi, j'ai payé l'essence jusqu'ici. Tu vas où là? Pourquoi ils ont mis les arbres ici? Qu'on ne peut pas faire demi-tour. Moi, je vais écraser leur arbre, je m'en fous. Voilà. Voilà, je m'en fous. Et bah, je vais foncer dans leur coiffeur. Laisse-moi, je vais foncer dans leur coiffeur, je vais casser leur coiffeur. Oh, si. Tu t'arrêtes. Non mais oh. Regarde-moi. Imagine. Moi, je paye des impôts. Regarde-moi. Imagine que tu es coiffeur. Oui. Tu as plusieurs clients. Oui. Donc ça veut dire qu'il y en a un à 16h, un à 17h et que tu n'es pas magicienne, que tu n'as pas 400 mains, que tu dois faire vite, mais tu peux pas faire trop vite. Ok. Quelqu'un prend rendez-vous à 16h. Oui. Il arrive à 16h40. Oui. Et il te demande une coupe de ouf qu'on peut faire qu'en une heure. Oui. Et à 17h, tu as une autre dame. Oui. Tu fais quoi? Ben je la prends. Tu
pu la prendre. Ou alors je l'appelle pour la prévenir. Voilà. La prévenir de quoi? Que je peux pas la prendre. Voilà, elle, elle a pas prévenu. Moi, je vais foncer dans leur coiffeur. Toi, tu n'as pas prévenu. Je vais casser leur coiffeur. C'est toi qui n'as pas prévenu. Tu te tais? C'est toi. Tu sais tu, que. Tu défends la coiffeuse? Oui, tu défends je la coiffeuse. Défends. Tu me défends oui, la coiffeuse. Je défends la coiffeuse. D'accord. Oui. D'accord. Parce que tu es en tort, mamie. Non. Si. Tu es en tort. Non. Si. Mais pourquoi tu n'es pas en tort? Parce que moi, j'ai pris rendez-vous pour ma petite fille. Il fallait qu'ils prennent ma petite fille. À voilà. 16h. Voilà. Tu te tais maintenant. 16h40. Maintenant, je vais foncer dans leur coiffeur. Voilà. C'est comme si vous, tu vas en cours à 10h alors que ta école à 8h30. Oui. Bah non. Bah ben oui, quand tu vas à l'école un peu plus tard, ils te prennent quand même. Ils te c'est disent pas la même bon, chose. Vous êtes en retard. Bon, ben la prochaine fois, vous revenez pas en retard. C'est allez, pas venez. La même chose qu'ils voilà. Ont pas plusieurs clients. Tu te tais, on est plein en classe. Tu te tais. Voilà, vous savez pas qui je suis moi. Je suis mamie de Alipour. Mamie Alipour, voilà. Maintenant, tu te tais.